Des civils armés, déjà présents lors des émeutes de mars 2021, après la convocation d'Ousmane Sonko au tribunal. Je dis que le gouvernement n'a pas de gens qui ont été en train de se faire. Il n'y a pas de gens qui ont été en train de se faire. Je dis que c'est clair. Il n'y a pas de gens qui ont été en marche de football. Parce que le tour du Sénégal est dangereux. Le bureau de soleil, il n'y a pas de gens qui ont été en train de se faire. Koko tuddé ngenté yakh nga sa activité Sénégal dong lañuy tuddé Sénégal lañuy ligéyal kenn wutu ci tour kenn wutu ci barké kenn wutu ci lo momal sa bokk lepp Sénégal lañ koy dello kon nañu xamni dinañ ligéy ci ték ak té ci dal def niko président de la République Mbassir Diomaye Fay waxé premier ministre Fall ko ci moy djub djubal djubanti tayam ci lepp nak def ko ci mandu xamni lepp luñu def soba ngon jot Sénégal moko mom Sénégal lañ ko wara dello askan Sénégal lañ ko wara dello lolu mo corruption de la jeunesse. Des manifestants en colère lancent des pierres sur les forces de l'ordre qui répliquent à coups de gaz lacrymogène. Des images laissent aussi voir ces hommes en civil. Certains sont armés de machettes, d'autres de fusils. La plupart sont cagoulés. Des civils armés, déjà présents lors des émeutes de mars 2021, après la convocation d'Ousmane Sonko au tribunal. A l'époque, le gouvernement sénégalais expliquait que ces hommes étaient des policiers en civil. Des femmes et des hommes valeureux qui s'habillent en tenue, mais aussi à leur côté, et pour des raisons évidentes de recherche de l'efficacité en tenue civile. Deux ans plus tard, le discours officiel a changé. Ndax ñi nga xamanteni ñoo ci rax té lénen tax léna juk manam dinañ tiré ci population bi té liñ ci djublu rek moy fexé ba ñu jigni FDS ñoko. Alors qui sont ces civils armés? Pour qui travaillent-ils? Des images analysées par Le Monde et des conversations audio exclusives lèvent le voile sur l'organisation de ces hommes de main proches voire sénégalais. Sur cette vidéo publiée sur Twitter, cet homme, au t-shirt rouge, est équipé d'un fusil d'assaut. Il tire. Les forces de l'ordre, ici, à bord de ce pick-up, ne manifestent aucune intention de l'interpeller. Sur trois autres vidéos, le même homme. Il réapparaît descendant d'un de ces pick-up blancs, à bord duquel on aperçoit également des membres de la police. Il semble faire partie intégrante de l'équipe de maintien de l'ordre. Ici, on le voit récupérer une arme d'un homme coiffé d'une casquette de police. Et pourtant, c'est l'exemple de cet individu que la police a utilisé lors de sa conférence de presse pour parler de manifestants instrumentalisés par l'opposition. Ce sont des images qui montrent des personnes détentrices d'armes à feu. Et on a bien fait tout à l'heure de préciser qu'il s'agit bien évidemment d'armes de guerre, détenues parfois par des profanes, qui peuvent, de par la non-maîtrise de l'arme, commettre des faits dommageables. Pourtant, en 2021, le pouvoir avait lui-même reconnu avoir recours à des hommes en civil et armés. Certains ont été filmés lors des manifestations au Sénégal, comme le 3 mars 2021. Ce jour-là, l'opposant Ousmane Sonko est interpellé sur le chemin du tribunal. Des émeutes éclatent, des hommes de main, en civil et armés, sont aussitôt déployés par le pouvoir. Sur cette vidéo, plusieurs d'entre eux apparaissent juste à côté du directeur de la Sûreté urbaine, une des plus hautes autorités de la police sénégalaise. Pendant les opérations, ces hommes étaient transportés dans ces pick-up, des véhicules banalisés que les forces de l'ordre officielles semblent laisser intervenir. Parmi ces civils collaborant avec la police, Le Monde a repéré cet homme en veste bleue. Il apparaît sur plusieurs vidéos partagées sur les réseaux sociaux. On le retrouve sur cette autre vidéo au moment où il descend d'un pick-up. Nous sommes juste devant le siège de l'APR, le parti du président Macky Sall.
Voilà la rue que nous reconnaissons grâce à ce bâtiment. Le Monde a obtenu les enregistrements d'une conversation d'un des hommes de ce convoi. Lutteur professionnel, il raconte avoir été payé par des responsables proches du pouvoir pour assurer ses missions de maintien de l'ordre. On était payé 20 000 francs CFA par jour. Nous nous retrouvions d'abord au siège du Parti Socialiste, puis les jeunes de Colobane nous ont repérés. Ce n'était pas un endroit sûr. On est ensuite allé au siège de l'APR. Là-bas, c'était plus sûr comme base. 2 ans plus tard, le siège de l'Alliance pour la République, le parti de Macky Sall, semble encore tenir lieu de base. Ces pick-up blancs, filmés début juin 2023 devant le QG du parti, sont du même modèle que ceux qui ont transporté des nervis au moment des échauffourées. Au cœur des affrontements, ces civils armés ont profité parfois d'un matériel professionnel de maintien de l'ordre. Certains, comme ici, sont équipés de lance-grenades Cougar, des armes très dangereuses si elles sont mal utilisées et qui sont réservées aux forces de l'ordre, tout du moins officiellement. Thank you.